Lundi prochain. Charles, je l'aimais, je l'aime toujours, absolument. Maxence, je l'aime d'une autre façon. Toi aussi, je t'aime. Mais pas d'amour. Mais Maxence non plus, je n'aime pas d'amour. C'est pas parce que j'aime faire l'amour avec lui que je l'aime vraiment d'amour. Je l'aime comme l'homme avec qui j'aime vivre, tout en pensant que j'aurais mieux aimé vivre avec un autre, mais qui n'est pas là. Je sais pas si tu me comprends. Grand-mère, quoi. Vive l'hiver, lundi prochain à 20h45. Ce soir, au cœur de lui-même, Luc Dietrich, un écrivain des années 40, dont Gérard Mordillat a mis en image le livre autobiographique « L'apprentissage de la ville ». Au milieu du fleuve, un épicier ambulant et son assistant. Deux points de vue différents sur le métier, dans un court-métrage d'Enrique Tchédiac. De la nuit, l'apprentissage de la ville de Gérard Mordillat et le fleuve, un court-métrage. On cesse de coasser maintenant et on dit 36, 36, 36, 36, 36. Bienvenue dans Court-Circuit. Répétez après moi. 36. Encore une fois. 36. Bien. 36, soit un cours plein d'esprit de Mathieu Matelin avec Jacques Legras et sa caméra cachée. Et maintenant, dites W. Qu'est-ce que vous avez pu me faire marrer alors? 36. Oh, je me souviens quand vous étiez déguisé en flic. Qu'est-ce que j'ai rigolé. 36. Oh, et puis le jour où vous avez trempé votre croissant dans la tasse du voisin. 36. Alors là, j'en pouvais plus, hein, quelle rigolade. 36. Et puis après, vous l'avez trempé dans sa bière. 36. Je me souviens, je regardais votre émission avec mon père. Qu'est-ce qu'on rigolait. 36. Parce que mon père, c'était pas le dernier pour la déconne, vous savez. Imaginez-vous que mon père, au mariage de ma sœur, au plein milieu du repas, il est monté sur la table. 36. Et il s'est mis à nous imiter ma tante Bernadette. 36. Mais vous vous rendez compte? Mais imaginez-moi sa tante Bernadette. C'est déjà un numéro, elle toute seule, alors imitée par mon père. 36. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Tante Bernadette. 36. Enfin. Et vous dites donc, ça fait un moment qu'on vous voit plus, vous faites plus rien. Faut dire qu'à votre âge... 36. Je sais. Je vais vous présenter mon père, il vous donnera des idées. Vous pourriez faire un duo, lui ferait ma tante Bernadette et vous ma cousine Yvonne. 36. Mais pourquoi vous dites 36 comme ça tout le temps? Ah. 37.
Dans un instant. Dans un instant, biographie d'un homme qui se croyait un et se découvre plusieurs. Dans un téléfilm de Gérard Mordillat, inspiré d'un roman de Luc Dietrich. Demain. Ceci n'est pas une bande-annonce, mais une mise en garde. Couchez les enfants avant de regarder Théma, demain à 21h45. Février. Je l'aime. Oh oui, je l'aime. Mon Roméo. Vite, de l'air. À Moscou. Non, à Venise. Ah, c'est à mourir. On connaît la chanson en février sur Arte. Si certains itinéraires laissent de glace, il n'en va pas de même de la vie de Luc Dietrich, auteur d'une œuvre aussi brève que lumineuse. Arte.